Thank you.
C'est bon. Bonsoir, chers collègues. J'ai été désigné comme, comme président et c'est comme ça. Mais si vous voulez, l'année prochaine, il y aura une autre place de libre. Alors, on n'a que 36 minutes ou presque 40 minutes de retard. Je vais vous inviter à regagner vos places. Je sais que pour des élus, respecter quelques règles, c'est compliqué. Mais il faut qu'on joue tous le jeu si on ne veut pas y passer notre soirée. Alors là, on est en train de me souffler. Vous avez pu remarquer que toutes les places sont bien balisées. Donc on est assis un siège sur deux et un rang sur deux. Il est impératif que vous vous mettiez sur le siège qui est alloué et que vous ayez devant vous votre nom qui s'affiche. Pourquoi ? C'est parce que vous allez passer à la télévision. Donc il est quand même important qu'on reconnaisse chaque personne avec son nom. Voilà. Merci. Bien, bonsoir. Donc, en qualité de doyen d'âge, je vais donc ouvrir et présider cette assemblée, dont j'ai l'honneur de présider la séance. Alors, présider cette séance, on me donne un certain nombre de textes à lire. Alors, je vais vous demander d'être très attentif et puis je vais essayer de m'appliquer de façon à ce qu'on aille assez vite. Et puis, au fur et à mesure, on déroulera la procédure de cette séance. Donc, je commence par les textes officiels. Dans le cadre de la loi d'urgence sanitaire, conformément à l'article 10 de l'ordonnance 2020-562 du 13 mai 2020, cette séance a lieu sans public, mais son caractère public est assuré par sa retransmission en direct sur le site de l'EPT. Les liens ont été transmis dans la convocation aux élus et l'avis au public. En vertu de l'article 10 de la loi d'urgence du 23 mars 2020 jusqu'au 30 août 2020, le Conseil territorial délibère valablement lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, les membres du Conseil territorial sont à nouveau convoqués à 3 jours, au moins d'intervalle. Ils délibèrent alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, et conformément au texte susvisé, un membre du Conseil territorial peut être porteur de 2 pouvoirs. Je vais donc procéder maintenant à l'appel général des présents et des représentés. Alors, je vais essayer de ne pas trop écorcher les noms, vous m'en excuserez. Madame Adoura Amané, j'espère qu'elle se reconnaît. Alors, si vous pouviez dire présent assez fort. Comme ça, on va passer. Aflaté Alain, présent. Monsieur Hakoun Fata, présent. Madame Azoug Anissa. Madame Amkimel Salaou. Voilà. Monsieur Belloc Pierre. Monsieur Benbekta Abdallah. Alors, je vais les cocher au fur et à mesure, parce que heureusement que l'administration veille au grain. Non, j'ai Azou, je ne sais pas, Belloc. C'est juste en dessous Belloc. Oui, d'accord. Monsieur Benchek, Imen. Madame, excusez-moi.
Monsieur Beneteau Sébastien, Monsieur Ben Mohamed Khaled, Madame Bensassa Reda, Madame Bernet Lydia, Madame Boivin, Monsieur Boufrène Kamel, Monsieur Bourdon Frédéric, Monsieur Briet Ludovic, oui, mais il est... D'accord. Monsieur Buissou Philippe, c'est juste un petit décalage dans l'organisation. Monsieur Briet Ludovic. Oui, mais Monsieur Buissou aura le pouvoir de Madame Pierron. Madame Kabilic Cathy, Madame Chavanon Marie, Monsieur Conan Gauthier, Madame Domain Stéphanie, Monsieur Decrouy Clément, Monsieur Defrémont Jean-Marc, Monsieur Del Agnola Richard, Monsieur Delors Daniel, Madame Dexa Varie Laurence, Madame Dora Marise, Monsieur Dufour Jean-Marc, Monsieur Madame Dupart Agnès, Monsieur Garzon Pierre, Madame Ebaudet Ondobo Bernadette, Monsieur Gaudin Philippe, avec le pouvoir de Monsieur Gonzalez, pour Monsieur Gonzalez, Madame Gaulier Daniel, Madame Gilger Trigon Anne-Marie, Madame Gonzalez Élise, avec le pouvoir de Monsieur Maître, Monsieur Grillon Éric, Monsieur Grousseau Jean-Jacques, Monsieur Guillaume Didier, Monsieur Guillaume Bruno, Monsieur Id Alouali Ali, Madame Jeannodet Christine, Monsieur Jeanbrun Vincent, Madame Kabouri Rachida, Madame Kassimi Malika, Monsieur Kennedy Jean-Claude, Madame Kirouane Ouarda, Madame Labrousse Sophie, Monsieur Ladir Luc, excusez-moi, Monsieur Lafont Gilles, Madame Lallier Nathalie, Monsieur Laurent Jean-Luc, Madame Lefebvre Claire, Madame Lefebvre Fabienne, Monsieur le prêtre Michel, avec le pouvoir de Madame Vérune, pour Madame Vérune, Monsieur Lerude Renaud, Monsieur Le Célingue, je ne sais pas comment ça se prononce, Pascal, vous êtes reconnu ? Merci. Madame Laurin Marchiec, Virginie, avec le pouvoir de Monsieur Becher. Entendu, d'accord. Madame Lédier Anne Gaël, Madame Linec Odile, Monsieur Lipietz Alain, Madame Laurent Isabelle, Monsieur Marchand Romain, Monsieur Marcillo Bruno, Madame Mérina Ariel, Monsieur Mokrani Meddi, Madame Morin Valérie, Madame Moron-Vallée Margot. Pouvoir. Eh ben, elle est mise comme présente. Là. Qu'est-ce que c'est ? Pouvoir à qui ? D'accord, on va renoter ça. Monsieur Mouali Sofian, Monsieur Mredi Menzrez, excusez-moi, Madame Osternmeyer, vous avez entendu quoi ? Non, j'ai pas entendu. Vous êtes... Ah, merci. On n'entend pas. Monsieur Panetta Tonino,
Monsieur Pecteux Clément, Monsieur Piroli Yann, Monsieur Rabuel Stéphane, Monsieur Sac Patrice, Monsieur Soherbach Laurent, Madame Sebahi Sabrina, avec le pouvoir de Madame Bouclet. Pour Madame Bouclet, c'est bon? Monsieur Segura Pierre, Madame Sour, Madame So Futimata, Futimata, oui, excusez-moi, Madame Spano Cécile, on ne vous entend pas. T'as compris quelque chose là? Non, j'ai pas compris, mais j'ai l'impression qu'il y a un pouvoir. Que c'est le pouvoir qui descend là. C'est un pouvoir? Pour qui? Donc, Madame Spano. D'accord. C'est Madame Spano, c'est ça? Il a le pouvoir, hein, Métine. Hein? D'accord, on va le noter. On va le remettre au propre. D'accord. Alors, nous en... Monsieur Topin Laurent, Monsieur Thiam Mustapha, avec le pouvoir pour Madame Oskan. Vous êtes d'accord? J'ai pas entendu de réponse. Merci. Ok. Madame Trojman Patricia. Torjman, excusez-moi. Madame Vala Cecilia. Monsieur Vedi Kiven. Madame Vermillet Brigitte. Monsieur Vic Jean-Pierre. Monsieur Velasquez Camille. Avec le pouvoir pour Madame de Comarmont, c'est ça? Monsieur Villain Jean-Marie, avec le pouvoir pour Monsieur Béranger, Monsieur Yakting Metin, Monsieur Yavuz Metin, excusez-moi. Avec le pouvoir de Madame Spano, c'est ce qu'on vient. Alors, avec le pouvoir de Madame Spano qui vient d'être ajouté, Monsieur Zing Siroclu Lionel. Monsieur Zulk Michel. Monsieur Zulk. Ouh. Il est absent? Ça fait combien ça? Il y a 15 seuls absents, donc ça fait. Oui, mais les autres, ils étaient déjà. Ceux qui sont barrés. On va compter. Ceux qui sont barrés ont donné plus tard. D'accord. Bon, pour pas perdre de temps, là, l'administration va compter le nombre de personnes, mais bon, n'importe comment, le quorum est là forcément atteint et on aura le chiffre exact parce qu'il y a eu 2-3 décalages. Donc, l'étape suivante, c'est de désigner des secrétaires de séance. Le secrétaire de séance étant de coutume le plus jeune, je propose pour cette tâche notre collègue Madame Margot Monville, donc elle n'est pas là, et éventuellement Monsieur Sofian Mouali, qui pourrait la remplacer. Comment ? Sofian. Sofiane, excusez-moi. J'avais tendance à dire. Bon. Et Monsieur Mouali est là, donc il veut bien prendre cette tâche. Très bien. Alors, Donc, vous faites la liste après. C'est bon, vous la. La liste, on va vous la donner après. Donc, on poursuit l'ordre du jour. Alors, dans ce contexte particulier de crise sanitaire et de l'organisation tardive de notre Conseil, il était nécessaire d'ajouter à l'ordre du jour de ce Conseil d'installation quelques délibérations urgentes pour ne pas retarder les dossiers importants pour certaines communes. Alors, je passe à l'organisation de la séance. Alors, je vais commencer par vous donner quelques éléments importants sur l'organisation de cette séance.
Alors, afin de gagner du temps ou de ne pas en perdre et rendre fluide ce travail qui nous attend, je vous remercie d'être attentif à ces quelques consignes valables pendant toute la séance. Vous avez trouvé à votre place un dossier nominatif contenant votre matériel de vote nécessaire pendant toute la séance. Si vous êtes destinataire d'un ou deux pouvoirs, l'administration a dû vous donner lors de l'émargement une ou deux enveloppes de bulletins supplémentaires. Si vous ne l'avez pas encore récupéré, merci de lever la main. L'administration va se charger de vous donner le nécessaire. Apparemment, pas de main qui se lève, tout le monde a son matériel. Toujours pour fluidifier nos travaux et gagner du temps, vous êtes installé par ordre alphabétique afin de faciliter les déplacements lorsque nous procéderons au vote. Nous vous demandons de ne pas changer de place pendant la séance et surtout de regagner votre place avant de commencer chaque scrutin. Votre dossier contient également une feuille de vote que vous devrez compléter pour tous les rapports ne nécessitant pas de vote à bulletin secret, c'est-à-dire le point numéro 3, puis les points 6 à 14. N'oubliez pas surtout de rendre ces feuilles de vote à l'administration en quittant la salle. La liste des membres du conseil territorial. Une fiche de renseignement qui vous a également été adressée avec la convocation. Merci de la remettre complétée à l'administration en fin de séance. Concernant les prises de parole, afin de respecter les mesures sanitaires, nous avons installé un pupitre de chaque côté de la scène vers lesquels vous vous dirigerez pour intervenir. Par ailleurs, vous avez pu remarquer un espace photo dans la salle. Pour ceux qui ne sont pas encore passés avant la séance, je vous propose de vous y rendre après la séance afin que l'on puisse réaliser vos photos portraits et préparer notamment un trombinoscope. Des photos de l'exécutif et de l'ensemble du conseil seront prises également en fin de séance. Pour finir sur les problèmes purement pratiques, vous avez également trouvé à votre place un sac contenant les rapports d'activité de 2018 et 2019, ainsi que les exigences et plans d'action du projet de territoire. Une documentation riche qui permettra à nos nouveaux conseillers territoriaux de faire connaissance plus profondément avec l'ensemble de notre territoire et de découvrir ainsi les actions de notre EPT. Vous avez tous retenu. On peut continuer. Donc, en tant que doyen, eh bien, je peux livrer quelques petits états d'âme. Et tant pis pour vous, ça va être très court, vous inquiétez pas. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers territoriaux, chers collègues, c'est un honneur de présider ce nouveau conseil d'installation dans ma ville et j'en profite pour souhaiter la bienvenue dans notre ville à tous mes collègues. J'essaierai d'assurer cette courte présidence le plus sereinement possible. Permettez-moi, Monsieur le Président, de profiter de ce moment pour évoquer deux sujets qui me touchent particulièrement et d'émettre quelques vœux. Le premier sera celui des droits à tous les élus, de leur donner toutes les informations et les moyens d'assurer leur mandat, qu'ils soient de la majorité, de l'opposition et surtout du respect des engagements. Les conditions de nos élections ont été bouleversées par cette crise sanitaire sans précédent. Elles n'en questionnant rien le caractère sacré, mais aussi nous interroger sur l'abstention massive, voire le désintérêt des citoyens à la vie de leur cité. Et ce n'est pas la situation surprenante et les chutes rocambolesques qui ramèneront les citoyens à retrouver l'intérêt de la vie publique. Nous ne devons jamais oublier les engagements que nous avons pris devant eux. Ce contrat de confiance qui nous unit entre citoyens et élus ne peut être piétiné pour assouvir des ambitions personnelles ou par simple revanche
mortifère. Ce qui doit guider nos actions est le sens de l'intérêt général au service de nos villes et de leurs habitants. L'envie d'améliorer toujours plus leur quotidien et leur cadre de vie. Il appartient à chaque élu de la majorité comme de l'opposition de proposer, de débattre, d'écouter, dans le respect dû à chacun et de trouver la solution pour l'intérêt général et uniquement pour l'intérêt général. Je sais que je peux compter sur l'ensemble de vous tous pour respecter ce code de l'honneur qui devrait être également voté au même titre que la charte des élus. Le second vœu portera sur le fonctionnement de notre territoire T12 et du principe de coopérative des villes qui avait été retenu. S'il n'est pas parfait, il semble être le moins mauvais et permet de garder la personnalité et la singularité de chaque ville. Dans ce vaste territoire, le respect de la volonté de chaque commune doit être le fil conducteur de notre gouvernance. Cette tâche n'est pas facile, mais vous avez su, Monsieur le Président, trouver le bon compromis entre projet de territoire et projet des villes. Il ne tiendra qu'à votre successeur de continuer la lourde tâche qui vous a incombé durant ces 4 dernières années. Je ne serai pas plus long ce soir. Je vous invite, durant le temps de ce mandat, à tous veiller au bon fonctionnement de notre collectivité et ne pas hésiter à dénoncer des pratiques qui pourraient s'éloigner du respect de chacun et de chaque ville dans le cadre de notre institution. Doyen du Conseil, je vous garantis que je mettrai un point d'honneur au respect de vos engagements, de nos engagements et de la parole donnée. Je vous remercie. Donc, nous allons progresser dans l'installation du conseil. Donc, suite au renouvellement des conseils municipaux, il convient de prendre acte de la nouvelle composition du conseil territorial. Conformément à l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2020, le nombre total des conseillers territoriaux de l'EPT Grand Orly-Seine-Bièvre est désormais fixé à 102. En application de l'article L5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales, les sièges à pourvoir sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en fonction des populations municipales authentifiées en 2020. Pour les villes qui n'avaient pas encore élu leurs conseillers territoriaux au moment de l'envoi de la convocation, celle-ci a été adressée au maire et son premier adjoint, conformément aux dispositions de l'article L5211-8 du CGCT. Les conseillers territoriaux ayant été élus entre-temps ont pu recevoir leur convocation pour participer à cette première séance. Vous trouverez donc dans votre dossier la liste complète des membres du conseil territorial, excepté pour la ville de Valenton, dont le siège vacant est représenté par le premier adjoint, ce qui n'en change pas le nombre des représentants. Je déclare donc officiellement installés dans leurs fonctions les conseillers territoriaux. Nous allons passer à la deuxième étape, à l'élection du président de l'établissement public territorial Grand Orly-Seine-Bièvre. Encore quelques textes officiels. Donc, conformément à l'article L5211-1 du Code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives aux maires et aux adjoints sont applicables aux présidents et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale. En application des articles L2122-7 et L5219-2 du CGCT, le président du conseil de territoire est élu en son sein, à bulletin secret,
au scrutin uninominal à trois tours à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité, il est procédé à un troisième tour de scrutin et à l'élection, et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. C'est clair, tout le monde a retenu. Je vous propose maintenant d'enregistrer les candidatures. Alors, je vous propose d'enregistrer les candidatures, c'est-à-dire que si chaque groupe veut présenter un candidat, il peut le faire. Et éventuellement, si quelqu'un veut intervenir pour soutenir son candidat, il est invité à le faire dès maintenant. Monsieur Philippe Bouissou. On a mis des lingettes pour pouvoir les nettoyer à chaque fois. Nettoyer à chaque fois, donc c'est bien, je vais parler sans masque. Bien, bonsoir, mesdames, messieurs, chers collègues. Nous voici réunis ce soir pour entamer le deuxième mandat au sein de cette assemblée territoriale. Je m'exprimerai donc au nom du nouveau groupe dont nous venons d'acter la création il y a quelques minutes. Celui-ci rassemble déjà plusieurs sensibilités de gauche, avec le Parti communiste français, Génération Ensemble, ou des citoyens issus d'organisations n'appartenant pas à une force politique nationale. Il aura, on lui a pas encore donné de nom, Ensemble, communiste, citoyen, Génération, ça pourrait donner ECG, électrocardiogramme, le cœur battant de la démocratie, ce serait voilà, une chose originale, mais on n'a pas encore opté pour un nom définitif. Il aura pour but, tout au long de la mandature, de rassembler les forces de gauche existantes sur notre territoire, souhaitant travailler ensemble à une transformation profonde de notre société. Au vu des enjeux présents et à venir, au niveau national comme au niveau local, je ne peux que nous féliciter de ce rassemblement qui est nécessaire aujourd'hui pour agir concrètement à l'amélioration des conditions de vie des habitantes et des habitants de nos communes. La crise sanitaire que nous venons de traverser a été révélatrice de l'importance et de la nécessité de nos politiques publiques locales et de nos services publics locaux. Nécessaire, c'est bien le terme le plus approprié que nous pouvons trouver pour les qualifier. Nécessaire pour assurer la continuité du service public, indispensable à l'intérêt général. Nécessaire pour accompagner et aider les personnes les plus fragilisées. Nécessaire aussi pour développer au plan local, dans la proximité, les solidarités. Puis il y a la crise sociale qui ne fait que commencer, qui va découler de cette crise sanitaire. Et sous le prétexte de cette situation, nous assistons à la continuité de la casse du droit du travail et à une augmentation du chômage et à une baisse du pouvoir d'achat qui ne semble pas trouver de fin. Il va falloir, dans peu de temps, je le crains, pour voir à quel point le nombre, par exemple, d'expulsions locatives va repartir à la hausse et ainsi jeter des familles entières à la rue. Et je ne parlerai pas de notre système de santé publique qui continue à être progressivement grignoté par les coupes budgétaires. Les différentes analyses au niveau national de cette crise sont unanimes. Ce sont les couches populaires les plus en difficulté qui sont le plus fortement touchées, que ce soit par la maladie ou par les attaques de la crise sociale qu'elles vont connaître. Alors nous voulons avoir du travail, nous allons avoir en tant qu'Assemblée territoriale beaucoup de travail pour continuer à faire vivre les politiques publiques de proximité et tout cela va nécessiter de s'unir et de se battre pour faire avancer un certain nombre de questions. Alors je dirais que dans ce paysage général s'ajoute également l'abstention record que l'on vient de connaître lors des élections municipales qui démontre pour partie un sentiment d'abandon, notamment de la part des classes les plus populaires et les plus en difficulté et que ressentent un grand nombre d'habitants dans nos collectivités. Elle démontre également un sentiment de rejet face à la politique et ce n'est pas étonnant. Depuis plusieurs années maintenant, voire plusieurs décennies,
les conditions de vie ne font que se dégrader et la démonstration est faite pratiquement au quotidien que le vote, quel qu'il soit, ne change pas les conditions de vie des gens qui continuent de se dégrader au quotidien. Donc en tant que conseil territorial et en tant qu'élu d'un établissement public territorial, nous avons le devoir de tout faire pour renouer avec la légitimité de la politique. Parallèlement, les moyens de nos collectivités locales ne cessent de diminuer, entraînant des difficultés réelles pour répondre aux besoins sociaux et qui augmentent sans cesse. Inévitablement, la colère augmente. Elle est non seulement compréhensible, mais aussi légitime. Face à la réalité de cette situation, le rassemblement de toutes les forces de gauche est nécessaire. Il est nécessaire pour que notre territoire puisse peser au sein de la métropole du Grand Paris. Il est nécessaire pour exiger l'évolution, et c'est un de nos points, je dirais, d'accroche très important, exiger une évolution de la loi MAPTAM qui rende aux établissements publics territoriaux un véritable, non seulement les moyens financiers et une fiscalité en croissance qui leur permettent de faire face aux compétences déléguées par les communes, mais aussi d'obtenir cette légitimité démocratique et de redevenir de véritables EPCI, même si nous savons que la configuration géographique de notre périmètre territorial devra forcément à un moment être retravaillée, puisque cette loi MAPTAM, qui a contraint à une jauge minimum de 300 000 habitants, nous a obligés à avoir un territoire de 24 communes très important, qui rassemble des grandes diversités territoriales, pour ne pas dire plus, et qu'il faudra se préoccuper de cette vision territoriale différenciée dans les mois et dans les années qui viennent. Et que si la loi MAPTAM va jusqu'à son terme, très rapidement, les moyens financiers du territoire pour honorer, je dirais, les compétences qui lui ont été transmises, sera très en difficulté et risquera de porter atteinte à ses compétences. Donc le calendrier de la réforme territoriale sera sans doute, nous l'espérons, prochainement connu. Et il faudra que nous nous positionnions les uns et les autres dans ce débat et que nous le fassions vivre au sein du Conseil de territoire. Alors je sais que ce retour à des EPCI à fiscalité propre n'est pas seulement la décision ou la proposition ou le support d'un groupe, et je sais que cela rassemble par-delà les divergences et la diversité politique de notre rassemblement, et c'est bien. Et il faut qu'on continue à avancer sur ce sujet. Donc, je disais, nous engageons le deuxième mandat de l'existence de ces établissements publics territoriaux. Au cours du précédent mandat, qui s'est déroulé à partir de 2016, Michel Leprêtre a assumé la responsabilité de président avec en permanence le souci à la fois de rendre possible le débat politique et la diversité du débat politique au sein de cette assemblée territoriale, mais il a aussi toujours veillé à ce que l'esprit de la coopérative des villes soit présent. Il a été très vigilant sur ce point. Il a, je crois, démontré sa capacité à animer ce territoire et à l'animer dans un profond respect des décisions prises par les communes, dans un profond respect de la légitimité communale. Donc c'est pour cela que nous vous proposons sa candidature pour effectuer un second mandat. Voilà, il est totalement légitime au regard de l'expérience. Et je rappelle également que sa présence en tant que conseiller métropolitain et en tant que de ce fait que de conseiller territorial de droit lui donne une légitimité du suffrage universel qui ne fait que conforter le fait que notre groupe le propose à vos suffrages. Et nous espérons recueillir une large majorité de ce conseil de territoire. Merci de votre attention. Y a-t-il une autre candidature, un autre soutien ? Oui, monsieur Villemain, il faut descendre. C'est définitivement Villemain et pas Villemain, mais c'est pas grave. Jean-Marie Villain. Villain. C'est que tu n'es pas vilain, c'est pour toi.
Non, sachant qu'en plus je m'appelle Jean-Marie Villain et que mon épouse s'appelle Christine, tu imagines un peu ce que ça pourrait donner Jean-Marie et Christine Villemain. C'est tôt. C'est une réalité, ça. Monsieur le Président, cher Alain, mesdames et messieurs les conseillers territoriaux, chers collègues, ce conseil d'installation est bien sûr un moment particulier dans le renouvellement de l'exécutif de nos territoires. Et plus encore pour le Grand Orly Seine-Bièvre qui vit et survit depuis sa création en 2016. Ce premier mandat a été présidé par Michel Leprêtre, qui n'a cessé de trouver les compromis difficiles, mais inhérents à la conduite d'un territoire où la pluralité politique en fait sa singularité. Alors que certains d'entre nous sont majoritaires dans nos villes, nous nous retrouvons ici dans l'opposition. Un renversement des rôles et des positions qui force l'humilité, le respect des adversaires politiques d'hier et collègues d'aujourd'hui, et qui nous oblige à faire avancer notre territoire avec ambition, et collectivement au service de ses habitants. Ce soir, en propos introductif, je souhaite tout d'abord remercier notre premier président de groupe, mon ami Robin Reda. Le président du groupe est le trait d'union entre les aspirations individuelles et l'élan collectif, le gardien d'une cohérence parfois difficile à trouver entre des villes de l'Essonne et du Val-de-Marne, et le porte-parole des revendications, et ce n'est pas un gros mot, des élus de notre groupe. Robin a endossé ce rôle à la perfection et, chers collègues, j'essaierai de me montrer digne de son héritage et vous avouerez que c'est bien paradoxal quand même pour un vieux comme moi d'hériter d'un très jeune comme lui. Président de ce groupe de 37 élus, dont 12 maires, je mènerai cette mission à ma façon, tout en préservant les valeurs qui nous rassemblent et que nous portons ensemble depuis 4 ans. Il ne serait pas juste ce soir de ne pas avoir également un mot pour le président sortant de notre assemblée. Comme nous l'avions fait d'ailleurs lors du dernier conseil territorial, où nous étions bien moins nombreux, je renouvelle au nom du groupe nos remerciements pour le travail conduit par Michel Leprêtre, mon cher président, durant ces 4 années. Et je peux dire que rien ne t'a été épargné. De la création du territoire, en passant par son avenir financier, plus qu'incertain, à la crise sanitaire, qui aurait pu vraiment envisager, cher Michel, que ce mandat serait aussi difficile et surprenant? Mais venons-en au fait. Si je prends la parole ce soir au nom du groupe, c'est surtout pour présenter au nom du groupe Union de la droite, du centre et des indépendants, ma candidature à la présidence du Grand Orly Seine-Bièvre. Une candidature qui illustre simplement la pluralité politique de notre territoire, sa diversité et sa richesse. Je l'ai dit, il a fallu tout écrire en 2016. De notre charte de gouvernance à cette coopérative des villes, dont nous pouvons dire aujourd'hui qu'elle fonctionne, en général, car il serait en effet hypocrite et vain d'oublier nos désaccords, et notamment financiers, qui ont pu faire naître quelques cheveux blancs à Pascal Nourry, et parfois quelques échanges doux amers en conseil territorial. Le respect des spécificités communales, mais aussi des programmes pour lesquels nous avons été tous légitimement élus, ainsi que des besoins grandissants en services publics de nos habitants, doivent nous rendre plus exigeants et peut-être plus rigoureux. Nous sommes 24 villes, nous représentons 700 000 habitants et des bassins de vie radicalement différents. Nous devons aujourd'hui trouver plus qu'un simple dénominateur commun. Nous devons nous assurer que chacun se sente représenté à sa juste mesure. La situation des communes essonniennes en est le bon exemple. Comment faciliter la vie des élus dès lors que 2 préfectures doivent orchestrer des projets d'envergure et variés? Comment trouver le juste équilibre entre politique publique de proximité et projets d'envergure d'aménagement et d'avenir? Comment ne pas s'inquiéter du désintérêt toujours plus important des citoyens lors des échéances électorales nationales, qui s'est étendu malheureusement cette année aux élections municipales? Comment leur expliquer, leur faire comprendre les compétences qui échouent à chaque strate du millefeuille administratif, de plus en plus indigeste en tout cas pour eux? Et que ces questions ne sont malheureusement pas étrangères à toutes les villes du territoire. Face à ces défis, nous devons nous assurer que la présidence du territoire soit le refuge de nos valeurs, le barrage face à la tentation parfois de céder, soit à la facilité, soit à l'excessivité. C'est pourquoi le président doit réaffirmer son engagement à faire respecter notre coopérative des villes, sa charte de gouvernance et à être un territoire servant et au service des communes, ce qui ne veut bien entendu pas dire servir, servile. Face au dogme, nous devons privilégier le bon sens, la sincérité des actions et non leur opportunisme. Nous n'avons jamais caché notre scepticisme ou nos réserves sur certains projets. Nous poursuivrons notre travail d'opposition avec sincérité et vigilance, mais dans un état d'esprit qui restera toujours constructif. Si je ne dresse pas ce soir la feuille de route du président, j'en dessine les contours. Cette présidence
ne sera pas plus simple que la précédente. Vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur nous, chers collègues, pour relever ce défi passionnant. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres candidats ? Ou d'autres interventions ? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jean-Jacques Grousseau, je suis maire d'Athis-Mons depuis le 4 juillet. Je voudrais prendre la parole. Je tue le suspense tout de suite. Je ne suis pas candidat à la présidence de l'intercommunalité. Déjà pour saluer tous les élus de présents de cette assemblée qui ont été élus depuis quelques jours ou quelques semaines. Saluer l'ensemble des élus qui ont œuvré pendant 4 ans au sein de cette intercommunalité. Je m'exprime au nom des élus socialistes et apparentés. Je m'excuse de ne pas avoir trouvé de nom plus imaginatif que nos amis communistes, mais à l'heure actuelle, c'est tout ce qu'on peut faire. On a tous été élus maires, élus conseillers territoriaux, il y a quelques jours, quelques semaines, à l'issue d'une campagne où l'Interco, le PT, Grand Orly, Seine-Bièvre, étaient finalement présentes partout, notamment sur le bulletin de vote, puisque nous sommes, pour le conseil métropolitain, élu au suffrage universel, et néanmoins, l'intercommunalité, disons-le clairement, était souvent absente des débats. Et pourtant, toutes et tous ici, nous sommes conscients que il n'y a pas de commune forte sans une intercommunalité forte. Qu'il n'y a pas de commune forte sans une interco aux côtés de ces communes, aux côtés des projets mutuels, et puis parce que tout simplement, le fait intercommunal, d'accord ou pas d'accord, aujourd'hui, il y a une forme d'unanimité autour de ce sujet-là, mais il est partout, il est dans le vécu, dans notre quotidien, de ce que vivent nos concitoyens. Et d'ailleurs, les compétences de l'intercommunalité aujourd'hui transpirent en tout cas cette dimension totalement intercommunale. On parlait des enjeux tout à l'heure extrêmement forts, ceux de la mobilité, ceux de l'écologie, ceux de l'emploi, les grands projets également d'aménagement. Rien ne serait possible sans une intercommunalité qui coordonne qui impulse des projets à l'échelle de nos communes, de nos territoires. Et puis, nous avons un cœur battant économique, celui d'Orly-Rungis, au cœur de notre territoire. Il nous rassemble en grande partie. Il est aujourd'hui pourvoyeur d'emploi, d'attractivité pour nos territoires, de croissance économique. Et il est en difficulté, en danger. Et je pense que encore plus dans les prochaines années, au-delà des enjeux que nous connaissons en termes de mobilité, d'accessibilité autour du site Orly-Rungis, notre sujet sera dans les prochaines semaines, dans les prochaines années, de conforter, de développer cette attractivité, parce qu'il y a une crise économique qui est en train de pointer le bout de son nez, qui nous touche déjà dans nos territoires, qui touche les familles. Et je pense que plus que jamais, nous avons besoin d'être unis face à cela. Dans ce contexte, nous abordons un nouveau mandat. Le premier a été semé d'embûches. Je n'étais pas élu précédemment au sein de cette institution, mais il était semé d'embûches institutionnelles, d'aléas politiques. Est-ce que l'Interco va exister, continuer d'exister dans cette forme, pas dans cette forme ? Et je rends hommage, je salue l'ensemble des élus qui ont permis malgré tout d'avancer, malgré ces tempêtes, ont permis à ce territoire d'avancer depuis 4 ans. Aujourd'hui, nous devons aborder un nouveau mandat avec des questionnements qui demeurent sur le rôle des institutions, sur la transformation institutionnelle, sur la fameuse réforme institutionnelle, trop grand, pas assez grand, trop ceci, trop cela. Aujourd'hui, ce territoire est là, il est là encore pour plusieurs années. Et donc, nous devons faire de ce mandat, non pas celui de la création, de l'appropriation de l'outil, mais vraiment le mandat de l'impulsion nouvelle, de la stabilité, aux côtés et au service des communes. Nous avons donc besoin d'une gouvernance qui nous respecte, nous, communes, qui respecte le suffrage universel dans les 24 communes du territoire, d'une gouvernance qui permet aussi de déplacer les clivages partisans et les clivages territoriaux. C'est jamais simple. Ça nécessite du compromis, ça nécessite du travail, ça nécessite du dialogue. Le compromis est souvent imparfait, mais au moins, il nous permet d'avancer. Et nous avons besoin d'une gouvernance qui nous permet justement d'avancer ensemble et de définir enfin des politiques publiques nouvelles, qui respectent le commun, mais qui ne soient pas que l'agglomération de 24 politiques communales sur de nombreux sujets que j'ai évoqués tout à l'heure, où nous avons besoin d'unité pour pouvoir peser.
C'est ce qui s'appelle la gouvernance partagée. Et je vois que dans les précédentes interventions, toutes saluent ce qui a été fait depuis 4 ans et toutes ces interventions se mobilisent pour que dans les prochaines années, on continue d'avoir cette forme partagée du travail collectif. On est conscient, et ça a été rappelé, des réalités ou des améliorations qui sont à apporter à notre façon de travailler collectivement. Elles sont institutionnelles. Il y a aussi ce déficit démocratique, disons les choses, dont peut souffrir aujourd'hui l'intercommunalité. Mais néanmoins, dans ces éléments à parfaire, je pense que nous devons pouvoir, nous, élus municipaux, maires, nous asseoir sur une gouvernance solide, stabilisée, dans le respect de notre diversité, de ce que nous sommes. Et Jean-Marie Villain l'a rappelé, je suis également élu essonien, cette bidépartementalité est tout sauf une facilité. Et pourtant, si l'État a voulu cette intercommunalité, il faut aussi que l'État commence aussi à travailler et à s'adapter au territoire qu'il a pu façonner. Et donc, nous, intercommunalité, à renforcer la cohérence à l'échelle de notre territoire. Dans ce contexte, nous souhaitons apporter notre soutien à la candidature de Michel Leprêtre, renouveler la confiance qui a été la nôtre depuis plusieurs années, depuis 4 ans, à la fois en l'homme, puisqu'il a su, ça a été remarqué, être dans le dialogue, dans l'écoute, dans le respect de chacun. Et j'imagine bien que ce fut une tâche qui ne fut pas toujours simple, mais aussi au-delà de l'homme, à l'état d'esprit de cette gouvernance qui doit perdurer, qui doit renforcer encore et toujours ce fait intercommunal et qui doit nous permettre de peser, parce que sans unité, sans cette force collective, nous ne pourrons pas peser auprès des institutions métropolitaine, mais aussi auprès du législateur pour faire évoluer, ça a été rappelé, notre intercommunalité dans sa façon de travailler. Et voilà, c'est pour ça que nous souhaitons continuer avec, j'ai une mouche, avec cette même confiance, ce même dialogue, ce même respect et surtout ce fait intercommunal ancré dans cette gouvernance, dans cet exécutif qui nous permet d'avancer sereinement, 24 communes, un territoire au service des territoires. Merci. Une autre intervention ? Bonjour à toutes et à tous. J'interviens ici alors, en tant que doyen, en quelque sorte, du futur groupe des écologistes du Grand Orlis et des Bièvres. Alors, je ne ferai pas traîner le suspense. Nous avons fait partie dans la mandature précédente de la majorité de Michel Leprêtre, et nous sommes heureux qu'il se présente à nouveau, et nous voterons pour lui. Mais c'est à l'ensemble de tous les élus ici présents que je m'adresse, qui tous et tous ont des responsabilités locales en dehors de leur présence ici. Cette mandature est particulière. Ce n'est pas à partir de 2026 que l'on s'occupera de lutter contre le changement climatique. Les crises écologiques ont ceci de grave que la date à laquelle on prend des mesures est aussi importante que l'intensité de ces mesures. Les gaz à effet de serre qui partiront entre 2020 et 2026 dans l'atmosphère ne seront pas récupérables avant un siècle. Donc c'est aujourd'hui, dans cette mandature, que nous aurons la responsabilité de participer à la lutte planétaire pour sauver le climat, pour sauver l'humanité vivant sur cette planète, pour sauver la biodiversité dans notre secteur. Et je pense qu'il faut que nous en ayons tous conscience. Nous ne dirons pas en 2027, si nous subissons une canicule particulièrement grave, écoutez, on attendait la mandature d'après, il y avait l'emploi, c'était plus important, etc. Cette façon d'opposer l'emploi au climat, cette façon d'opposer l'immédiat à l'intérêt à long terme, c'est ce qui nous tue depuis la conférence de Brio, depuis 1992. Donc je compte sur vous, que ce soit dans vos communes ou que ce soit dans l'EPT,
pour toutes et tous entamer ce combat pour essayer de sauver la planète et ses habitants. Nous aurons besoin avant tout de solidarité. Je crois qu'une crise comme celle du Covid-19 nous a montré en vraie grandeur ce que c'est qu'une crise écologique provoquant un début d'effondrement de certains services publics. Qu'est-ce qui nous a permis de tenir quand nous étions tous isolés les uns les autres, toute la population pouvait à peine aller travailler? Le service public, l'économie sociale et solidaire. Ce sont les deux jambes sur lesquelles nous avons pu assurer l'alimentation des plus pauvres d'entre nous, l'aide aux personnes les plus âgées isolées dans leur maison. Nous avions, par exemple, à Villejuif, une association qui s'appelle Entrée de Chat, qui, en allant nourrir les chats, s'apercevait que des personnes âgées, complètement déconnectées, étaient tout simplement en train de crever de faim sous le confinement. La solidarité sera l'outil avec lequel nous pourrons mener la lutte contre la crise écologique. Et enfin, nous aurons besoin de démocratie. On l'a dit et nous serons les premiers, et nous l'avons été, les premiers à lutter contre les aberrations d'une loi métropolitaine qui a créé ces EPCI sans les doter de fiscalité propre. Comment voulez-vous que l'on puisse continuer durablement à financer des politiques pour sauver l'écologie, pour sauver la solidarité dans notre PT, si nous n'avons pas les moyens de le faire, si nous n'avons pas la capacité fondamentale dans une démocratie à décider de notre budget? Donc voici un trépied, l'écologie, la solidarité, la démocratie, à laquelle je vous invite toutes et tous autour de la personne qui, dans quelques minutes, sera le président du Grand Orly Salébièvre. Je vous remercie. Une autre intervention ? Comme tu veux. Monsieur le Président, chers collègues, je viens ici pour non pas présenter une candidature, mais en soutenir une. En soutenir une au regard de l'expérience qui a été la nôtre avec le groupe des élus dans le précédent mandat de la gauche républicaine et socialiste pour apporter notre soutien naturellement à la candidature de Michel Leprêtre. Naturellement parce que la candidature de Michel Leprêtre est proposée par le groupe le plus important de la gauche qui constitue la majorité de notre établissement public territorial, avec les élus qui ont été désignés par nos conseils municipaux. Naturellement aussi, parce que Michel Leprêtre, je dirais même naturellement aussi et surtout, parce que Michel Leprêtre a une histoire. Cette histoire est fort simple. Il a été le président de l'EPT, ce qui lui confère une connaissance aiguë, particulière, de ce qu'a été et de ce qu'est devenu déjà notre territoire. Et il a une expérience qu'il peut continuer à mettre au service de nous tous, au service de nos communes. Il a été respectueux et soucieux de la diversité politique du Conseil territorial, d'une préoccupation qui n'est pas celle que nous vivons dans nos communes, où il y a une majorité et une opposition. Il y a une construction particulière, parce que nous sommes en coopération intercommunale, qui doit respecter l'ensemble des forces politiques, qu'elles se situent
à gauche ou à droite. Et Michel Leprêtre a montré combien il avait le sens du dialogue, de l'écoute et du compromis. Il a mis en place le PT et les politiques publiques au service de toutes nos communes et de nos habitants. Et je pense tout particulièrement à ce qui constitue un travail très important qui a été réalisé. Je ne parlerai pas du champ ou de la compétence qui fut la mienne dans la précédente mandature. Je veux parler du projet territorial, des exigences que nous avons définies ensemble dans les rapports avec les autres institutions, l'État, le département du Val-de-Marne, celui de l'Essonne, mais aussi la région, pour faire du commun au travers de projets concrets et de la mise en œuvre d'orientations politiques que nous avons partagées au-delà des clivages politiques. Ces politiques publiques ont été mises en place dans le respect d'une charte de fonctionnement et d'un mode de fonctionnement en coopérative des villes. Alors, pour l'avenir, en apportant notre soutien à Michel Leprêtre pour être à nouveau président de notre territoire Grand Orly-Seine-Bièvre, je pense qu'il faudra naturellement maintenir le fonctionnement en mode de coopérative de ville, mais aussi s'atteler à faire du commun, à faire du commun en termes de politique publique. On ne peut pas être simplement l'addition des ambitions, des projets des 24 communes. Il va falloir frayer un chemin qui soit partagé, qui s'inspire et mette en œuvre le projet de ville et définisse des politiques publiques dont nous avons besoin au niveau de nos communes et dont nos concitoyens ont besoin. Il faudra aussi s'engager ensemble, me semble-t-il, dans la voie de la demande d'une réforme institutionnelle avec deux orientations. La première, c'est faire en sorte que nos établissements publics territoriaux quittent le modèle du syndicat pour devenir des établissements publics de coopération intercommunale de plein exercice et naturellement une réforme des financements qui aujourd'hui, il faut le dire, je pense au travail qui a été fait, au casse-tête qui a été celui du président, mais aussi de l'exécutif, et particulièrement de Pascal Nourry, qui a été le vice-président en charge des finances, auquel j'adresse un salut amical. Au-delà du fait qu'il était membre du groupe que j'animais, il était le vice-président en charge des finances, et il devait faire en sorte que nous ne soyons pas garrottés par des politiques de l'État qui nous contraignent toujours à réduire les services publics. On a pu, dans un cadre très contraint, réaliser des prouesses. Il faudrait que nous portions dans cette nouvelle mandature l'exigence d'une réforme qui nous permette d'avoir des moyens pérennes et dynamiques en termes de ressources fiscales, sans avoir recours à une augmentation de la pression fiscale, mais qu'on ait des ressources dynamiques. Et puis, il nous faudra aussi, et je conclue sur ce point, veiller à notre avenir immédiat, à l'avenir immédiat de nos concitoyens, de nos communes, car il y a une crise économique et sociale qui prolonge la pandémie qui n'est pas terminée, nous le savons bien. Nous aurons à travailler ensemble, Grand Orly-Seine-Bièvre et nos communes, au-delà de nos clivages politiques, avec une préoccupation de lier les deux défis que nous avons à relever, la transition écologique et la question sociale. Car nous ne pouvons pas, me semble-t-il, opposer la fin du monde à la fin du mois. Il nous faut relever ensemble ces deux défis pour préparer un avenir
qui soit meilleur pour nos concitoyens. Et je pense que c'est parce que la candidature de Michel Leprêtre répond à ces différents objectifs, à ces différentes suggestions, que je lui apporte notre plein et entier soutien. D'autres interventions ? Donc, a priori, il n'y a pas de main qui se lève. Donc, je pense qu'on peut enregistrer deux candidatures. Donc, Michel Leprêtre et Jean-Marie Villain. Donc, on va procéder au vote. Avant de procéder au vote, je vais appeler les... Enfin, appeler deux personnes pour, qui vont venir en tant que scrutateurs, Madame Élise Gonzalez et Monsieur Kevin. Le secrétaire de séance. Non. Le secrétaire de séance qu'on a désigné tout à l'heure, Sofiane. Oui, mais tu l'as dit de barrer. Oui, parce qu'il a déjà été élu secrétaire de séance. Oui. Et ben. Donc lui, il peut descendre. C'est... Oui, parce que là, comme il avait été tout à l'heure... Oui, en secrétaire de séance. Il était en second, oui. Donc on l'a élu, donc maintenant il fallait désigner la deuxième. Mais lui, comme il est secrétaire de séance, il peut descendre. D'accord, alors qu'est-ce qu'on fait, l'un ou l'autre ? Non, non, les deux, Monsieur Mouali et Madame Gonzalez. Alors, Monsieur Mouali et Madame Gonzalez. Lui, c'était plus la peine, puisqu'il est secrétaire de séance. C'était le deuxième tout à l'heure, parce que le premier... Oui, non, mais je croyais que c'est... Oui, d'accord. Bon, alors, on va se préparer. Je rappelle que nous sommes à 102 élus et actuellement, il y a 101 personnes présentes ou représentées. Une seule personne absente. Alors, juste encore, je suis désolé, les petites consignes. Donc, on va procéder au vote. Et là, il va falloir qu'on soit un peu rigoureux, un tout petit peu discipliné. Donc, je vais appeler au fur et à mesure les... Je vais tous vous appeler. Je vais tous nous appeler par ordre alphabétique. Alors, il faut essayer d'organiser la transhumance. Et puis, vous allez pouvoir venir voter ici, sur l'urne qui est à ma gauche. Et vous avez la liste pour pointer ? Continue, je vais demander de vous dire. Oui. Donc, vous en avez une pour moi ? Alors, si vous voulez, la première personne, Madame Abdourahmane, vous pouvez vous avancer. Et puis, Monsieur Agoun aussi, si vous pouvez vous avancer. Avancez-vous progressivement en gardant les espaces de les espaces approchés. Et donc, vous allez pouvoir voter là et on pointera votre nom au fur et à mesure des votes. Alors, vous annoncez en même temps la personne qui a... C'est vous qui annoncez. Oui, ben c'est, on y va rangée par rangée. Non, mais vous affolez pas. Les rangées sont par ordre alphabétique. Donc, allez-y, Madame. Madame Abdourahmane. Allez-y. À voter. Alors, je voterai. Ouais. Monsieur Agoun. Alors, faites-le. Arrangez-vous pour faire le tour. Madame Akimel. Essayez d'anticiper un petit peu pour qu'on ne perde pas de temps. Madame Azoug. Monsieur Belloc. Madame Benchek. Monsieur Ben Bekta.
Oui, si vous voulez passer dans l'isoloir, essayez d'anticiper un tout petit peu. Mais allez-y, monsieur, cher ami, c'est pas grave, on vous attend. Monsieur. Non, ça y est. Monsieur Beneteau, Sébastien. Monsieur Ben Mohamed. Madame Bensa Sarsa Reda Lamia. Madame Bernet. Madame Boivin. Monsieur Bouffren. Monsieur Bourdon Frédéric. Monsieur Buissou, qui votera aussi pour Madame Pierron. Monsieur Brillet, Madame Kabilic, Madame Chavanon, Monsieur Conan, Madame Domain, Monsieur Decrouy, Monsieur De Frémont. Monsieur Del Agnola, Monsieur Delors, Madame Dexavary, Madame Dora, Monsieur Dufour, Madame Dupart, Madame Ebaudet. Elle a un pouvoir. Et pouvoir pour Madame Moreau-Vallès. Vallée. Moreau-Val. Monsieur Pierre Garzon. Monsieur Godin. Avec un pouvoir pour Monsieur Gonzalez. Madame Gaulier, Madame Gilgère Trigon, Madame Gonzalez et avec un pouvoir pour Monsieur Maître, Monsieur Grillon, Monsieur Grousseau, Monsieur Guillaume, Monsieur Guillaumeau, Monsieur Id Al-Louali, El Al-Wali, je vais I El Al-Wali. Voilà. On va y arriver, je ne sais pas. Madame Jeannodet, Madame Kabouri, Madame Cassimi, Monsieur Kennedy, Madame Kirwan, Madame Labrousse, Monsieur Ladire, Luc, Monsieur Lafont, Madame Lallier, Monsieur Laurent, Madame Lefebvre, Madame Lefebvre Fabienne, Monsieur le prêtre Michel, avec le pouvoir de Madame Vérune, Monsieur Lerude, Monsieur Lesselingue Pascal, avec le pouvoir pour Monsieur Jean Brun, Monsieur Madame Lerin, avec le pouvoir de Monsieur Becher, Madame Lédier,
Madame Linec. Monsieur Lipiex. Madame Laurent. Monsieur Marchand. Monsieur Marcillot. Madame Mérina. Monsieur Mokrani. Madame Morin. Monsieur Mouali. Monsieur Emradi. Oui. Comment ? Mais moi aussi, il faudra, je veux. Tu veux voter maintenant hein ? Mais attends, on y est, Franck Pereira. Attends, c'est quel nom, toi ? Vous en êtes à Panetta. Non, vous en êtes à. Oui, Madame Ostermeyer. Non, c'est après. Suivi de Monsieur Panetta. Monsieur Péqueux. Monsieur Piroli. Monsieur Panetta. Distrait, hein. Monsieur Ramuel. Monsieur Sack. Monsieur Sauerbach. Madame Sebahi, avec le pouvoir pour Madame Bouclet. Monsieur Segura. Madame Sour. Madame Sau. Monsieur Taupin. Monsieur Thiam. Avec le pouvoir pour Madame Oskan. Madame Torchman. Madame Valla. Monsieur Védi. Madame Vermillet. Monsieur Vic. Monsieur Velasquez. Monsieur Villain. Ah oui, excusez-moi. Avec le pouvoir de Madame de Comor. De Marmont, excusez-moi. Monsieur Villain. Avec le pouvoir de Monsieur Béranger. Monsieur Yavouz. Avec le pouvoir de Madame Spano. Monsieur Zinsirko Roglu. Donc il nous reste deux personnes à voter. Donc je vais aller dans l'isoloir. Et puis. Non, tu es à côté. Vous voulez aller dans l'isoloir ? Il est là, l'isoloir. Il est juste derrière le poteau. Il est dedans. Sinon, vous êtes le seul à ne pas avoir l'élection président. Celui-là. Ah, il faut que je le marque. Ah, ben oui. Ah, ben oui. D'accord. Il n'y a plus que M. Aflaté qui n'a pas voté.
Bon, il semblerait que tout le monde ait voté, donc on va pouvoir procéder au dépouillement. Lisez les instructions. Il y a des instructions, mais vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Je vais vous donner après le matériel pour pointer. Bien, donc tout le monde ayant voté, je déclare le scrutin clos. Et donc nos deux assesseurs vont procéder au dépouillement. Dites comment ils doivent faire. On a marqué. Donc là, on est dans le classique, je suppose, c'est-à-dire que vous les recomptez ou on les recompte. Il y a les instructions, mais bon, on se débrouille. Oui. Il parle pas de recompter là. Dans votre application. Bon, il y avait donc il y a 101 personnes présentes ou représentées, on trouve 101 bulletins. Oui. Tu les mets devant au fur et à mesure. Dire qu'il y a bien 101 bulletins. Oui, c'est ce que j'ai dit. Parfait. T'as pas l'air, comme ça. Michel Leprêtre. Michel Leprêtre. Jean-Marie Villain. Michel Leprêtre. Michel Leprêtre. Michel Leprêtre. Michel Leprêtre. Bulletin blanc, nu, blanc. Ben vous le mettez à côté. Faites un troisième temps. Michel Leprêtre. Bulletin blanc. Pareil. Michel Leprêtre. Jean-Marie Villain. Bulletin blanc. Michel Leprêtre. Jean-Marie Villain. Jean-Marie Villain. Michel Leprêtre. Bulletin blanc. Michel Leprêtre. Michel Leprêtre. Jean-Marie Villain. Jean-Marie Villain. Michel Leprêtre. Jean-Marie Villain.
Michel Leprêtre. Jean-Marie Villain. Jean-Marie Villain. Monsieur Villain Jean-Marie. Jean-Marie Villain. Michel Leprêtre. Bulletin blanc. Michel Leprêtre. Jean-Marie Villain. Jean-Marie Villain. Michel Leprêtre. Michel Leprêtre. Jean-Marie Villain. Jean-Marie Villain. Michel Leprêtre. Michel Leprêtre. Michel Leprêtre. Michel Leprêtre. Mister Michel Leprêtre. Michel Leprêtre. Jean-Marie Villain. Michel Leprêtre. Michel Leprêtre. Jean-Marie Villain. Michel Leprêtre. Michel Leprêtre. Michel Leprêtre. Michel Leprêtre. Jean-Marie Villain. Jean-Marie Villain. Bulletin blanc. Michel Leprêtre. Bulletin blanc. Jean-Marie Villain. Michel Leprêtre. Jean-Marie Villain. Jean-Marie Villain. Michel Leprêtre. Jean-Marie Villain. Jean-Marie Villain. Jean-Marie Villain. Michel Leprêtre. Michel Leprêtre. Michel Leprêtre. Jean-Marie Villain. Jean-Marie Villain. Michel Leprêtre. Michel Leprêtre. Bulletin blanc. Jean-Marie Villain. Michel Leprêtre. Jean-Marie Villain. Jean-Marie Villain. Jean-Marie Villain. Michel Leprêtre. Jean-Marie Villain. Jean-Marie Villain. Michel Leprêtre. Michel Leprêtre. Jean-Marie Villain. Alors, il y a écrit blanc sur un bulletin blanc. Est-ce qu'il est nul du coup? Oui, blanc. Alors. Qu'est-ce qu'on... Blanc. Jean-Marie Villain. Michel Leprêtre. Michel Leprêtre. Michel Le... Pardon, Leprêtre. Michel Leprêtre. Bulletin blanc.
Michel Leprêtre. Michel Leprêtre. Jean-Marie Villain. Michel Leprêtre. Michel Leprêtre. Michel Leprêtre. Michel Leprêtre. Jean-Marie Villain. Michel Leprêtre. Et le dernier bulletin. Michel Leprêtre. On le met dans les blancs. Ça ne change pas grand-chose. Vous ne retrouvez pas votre montre ? Des paquets 10. Sans un.
vous qui prenez la feuille, monsieur Flopin. Oui. Tout à fait, prenez la feuille parce qu'il faut annoncer les résultats dans son entier. Bon, après recomptage, donc il y a 101 votants, 10 bulletins blancs, donc suffrage exprimé 91, la majorité absolue est à 46, monsieur Michel Leprêtre obtient 54 voix, Jean-Marie Villain 37 voix. Donc je proclame Michel Leprêtre élu du territoire. Et j'appelle Michel Leprêtre à venir prendre la présidence. Prenez le vôtre. Bien, permettez-moi d'abord de vous remercier les uns et les autres d'avoir participé à ce scrutin et permettez-moi de vous remercier de cette position à laquelle vous m'attribuez ce soir. Permettez-moi aussi de vous adresser quelques mots pour notre travail à venir. Mes chers collègues, je veux tout d'abord saluer les collègues élus et les nouveaux élus de notre Assemblée. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans le territoire Grand Orly-Sainte-Vièvre. J'espère que vous trouverez dans ce mandat la satisfaction d'être utile à notre territoire, à vos communes, aux habitants qui vous ont démocratiquement désignés et légitimés. Vous le savez, je suis attaché à respecter les ambitions locales de chaque ville, ainsi qu'à travailler à la cohérence des politiques publiques que nous développerons ensemble. C'est le principe même de l'intercommunalité. Unir nos forces à chaque fois que cela est possible, dans l'intérêt premier des habitants et en respectant les représentations locales issues des urnes. J'affirme donc à nouveau pour ce mandat ma détermination et ma volonté de respecter chaque ville et de travailler pour tous les habitants du territoire, qu'ils aient voté à gauche ou à droite. Je me dois naturellement de respecter le choix démocratique de vos électeurs. Le PT est depuis sa création au service des villes. Je le dis avec la plus grande fermeté, il restera au service des villes, au service des habitants. Le PT existe pour les communes. Ce sont les communes qui décident pour elles-mêmes et collectivement l'avenir du territoire. Je suis et resterai donc à l'écoute des représentants légitimes de chaque commune. L'agenda des élections municipales a été perturbé par l'agenda sanitaire. Maintenant que le renouvellement démocratique est passé, je ne vais pas analyser le résultat de ces élections. Néanmoins, permettez-moi une remarque. Nous avons connu, une fois encore, une abstention très forte, beaucoup trop forte. Les causes sont sûrement multiples. La crise sanitaire a joué incontestablement un rôle. Mais la tendance croissante à l'abstention n'est malheureusement pas nouvelle. Elle marque peut-être une certaine incompréhension des enjeux, une lassitude. Elle marque aussi une forme de désespérance à l'égard de l'action publique. Notre territoire ne fait pas exception. Ici comme ailleurs, les populations touchées par la précarité et la pauvreté s'abstiennent plus que les autres. Cela n'enlève rien à la légitimité des élus. Mais cela doit nous renforcer
notre exigence d'exemplarité. J'accepte aujourd'hui la charge de la présidence avec humilité. Humilité, sens de l'éthique et sens de l'exemplarité sont les qualités impératives pour accomplir la mission publique que les électeurs nous ont confiée. Ce sont en tout cas les valeurs pour lesquelles je nous invite à placer ce nouveau mandat. La confiance est un socle inamovible de la démocratie. Les actes que nous posons ne peuvent s'y soustraire. C'est aussi pourquoi, malgré nos différences politiques, dans cette Assemblée, nous devons commencer par nous faire confiance. C'est aussi pourquoi, si un jour, des différences, des divergences surviennent, nous devons être capables de nous respecter dans et par le dialogue. C'est ainsi que je conçois mon rôle à vos côtés, être le garant des meilleures conditions de dialogue entre les communes. La défense du service public est notre étendard commun. Démonstration a été faite de l'utilité du service public dans cette crise. Nous avons tous à cœur de préserver la qualité et la proximité qui ont été si importantes pour nos concitoyens durant le confinement. Cela étant dit, je veux rappeler que nous abordons ce mandat avec des acquis sur les combats collectifs que nous aurons à mener, des acquis sur les projets que nous pourrons porter ensemble. Tout d'abord, nous le savons, et vous l'avez tous dit d'une manière ou d'une autre, la loi NOTRe doit changer. Il nous faut obtenir, enfin, les moyens des ambitions pour nos communes. On ne peut pas d'un côté vanter l'expertise des élus locaux, et on l'a entendu dans la dernière période, et de l'autre, nous refuser une autonomie financière. Nous devons avoir la capacité de mettre en œuvre nos politiques publiques sur le long terme. La loi doit impérativement évoluer pour nous donner logiquement le statut de PCI à fiscalité propre. C'est une réforme que nous mènerons ensemble, mais aussi en écoutant les diverses approches qui sont dans cette salle. Nous abordons aussi ce mandat avec un bilan positif. À vos places, vous trouverez le bilan d'activité 2019. Lisez-le activement. Il traduit le travail accompli, pas seulement par les élus politiques, mais aussi par tous les personnels de l'EPT. Vous constaterez que la recherche du consensus ne nous a pas rendus stériles, loin de là. Projet de territoire, projet partenarial d'aménagement de Grand Orly, vitrine des emplois, territoire d'industrie, plateforme d'appel à projets, développement économique, innovation, réseau des conservatoires, médiathèque, équipement sportif, cité de la gastronomie, voirie, objectif de réduction des déchets, contrat de transition écologique. La liste est longue de projets déjà engagés qu'il nous faudra faire aboutir. Je le dis particulièrement à l'attention des nouveaux élus. Le Grand Orly Seine-Bièvre est un territoire industriel, mais aussi un territoire en mutation porté par l'innovation. Pourquoi l'innovation ? Parce que l'innovation technologique, mais aussi l'innovation humaine en matière de solidarité, d'emploi, de culture, l'innovation est le meilleur vecteur d'une résilience durable. Depuis notre création, nous avons affirmé 4 exigences majeures. Ce sont les fils conducteurs de nos décisions. Combattre les dérèglements climatiques et les nuisances. Agir pour un territoire métropolitain incontournable. Garantir la ville et la qualité de vie pour tous. Anticiper les évolutions de la ville. Je vous proposerai à la rentrée de renforcer notre volontarisme sur ces thématiques. Pardon, en désignant 4 élus parmi les vice-présidents qui auront la charge de coordonner avec moi le travail sur ces axes, auquel s'ajoutera bien évidemment le travail essentiel de maîtrise budgétaire. Le rôle de ces 5 élus à mes côtés sera d'impulser de la cohérence, mais aussi de la transversalité. Mes chers collègues, je placerai quant à moi ce nouveau mandat de président sous le signe de 3 mots-clés. Transparence,
cohérence et résilience. D'abord la transparence, parce que je serai transparent avec vous tous, comme je l'ai toujours été. Je vous remercie les uns et les autres de l'avoir souligné dans vos interventions. Pour que nous puissions travailler en toute confiance, c'est absolument indispensable. Ensuite, cohérence, parce que cette idée est essentielle à une action publique qui fasse sens à la fois localement et au niveau territorial. Enfin, la résilience. L'urgence climatique est une réalité dramatique que nous mesurons pleinement. Nous devons assumer une vraie responsabilité environnementale au cœur de toutes nos politiques publiques. Mes chers collègues, je sais pouvoir compter sur votre engagement. Je souhaite que nous poursuivions ensemble la construction d'un territoire toujours plus dynamique, plus solidaire, au service de vos communes, de vos habitants. Je vous remercie de votre attention. Je crois que maintenant, il faut travailler un peu. Vous me laissez quelques minutes, mais ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours tendance à mélanger les papiers. Ah oui, j'avais pas l'intention de la boire. Bien, je retrouve l'ordre du jour qui est là. Voilà. Bien, nous devons maintenant procéder à la détermination de l'exécutif, donc des vice-présidents et des conseillers délégués de notre territoire. Je vais bien évidemment, comme mon prédécesseur, faire la lecture des articles légaux. En application de l'article L5219-2 du CGCT, le Conseil de territoire désigne en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peuvent excéder 20% du nombre total des membres du Conseil de territoire, soit 20 vice-présidents. Le nombre de conseillers délégués et membres du bureau n'est quant à lui pas limité. Les membres du bureau sont élus au scrutin secret uninominal à 3 tours, élection à la majorité des suffrages exprimés lors des 2 premiers tours et à la majorité simple au 3e tour. L'exécutif comprenait jusqu'à présent 18 vice-présidents et 6 conseillers délégués, permettant ainsi que nos 24 villes soient représentées. Au vu de l'augmentation de la population du territoire, le Conseil est maintenant composé de 102 élus, ce qui nous permet d'élire 20 vice-présidents au lieu de 18. Il est donc proposé de constituer l'exécutif de 20 vice-présidents et de 4 conseillers délégués. Je précise qu'ils ont tous ils n'ont pas le même nom, mais ils ont tous la même responsabilité et les mêmes attributions. Est-ce que vous avez à ce stade des questions ? Je ne vois pas de main se lever. Bien, je vous propose donc de mettre aux voix ce processus. J'ai pas entendu, pardon. Allez-y, Madame Kabouri. Mais je vais vous demander de descendre à un micro, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je fais partie du groupe ELV. J'ai une question très simple, c'est la question de la parité. Est-ce que les 20 vice-présidents incluent la parité ? Voilà. Malheureusement, pour les EPCI, la question, la règle n'est pas obligatoire, mais avec les choses, la chose est assez facilement compréhensible, puisque l'exécutif est composé des maires ou de leurs représentants. Donc il suffit de regarder la totalité du nombre d'élus pour mesurer qu'il y a aujourd'hui dans le territoire, il y a aujourd'hui 17 maires du sexe masculin et 7 maires du sexe féminin. Donc voilà. Et ça n'est pas obligatoire, je le précise. On peut le déplorer, mais c'est la réalité de l'organisation et du code de l'EPC, du CGCT, pardon. Bien.
je vous propose de mettre aux voix, je vous propose de faire un vote à main levée. Est-ce que vous y voyez un inconvénient ? Bien. Alors, qui est pour la proposition que je viens de vous faire ? Constitution de l'exécutif, 24 membres, 20 ayant un statut et 4 en ayant un autre. Qui est pour ? Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Une. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Oui. Alors, vous avez dans vos dossiers une feuille de vote. Les anciens élus ont dans la pratique. Je vous propose de remplir ces feuilles de vote avec vos noms, prénoms, bien évidemment, et surtout de signifier vos votes par écrit. Nous allons maintenant devoir voter les 24 élus de l'exécutif territorial. Tu le signifies, madame Ebaudet, pardon, vous le signifiez sur votre bulletin de vote, sur la feuille de vote, pardon. Alors, nous allons voter pour élire l'exécutif, je viens de le préciser. Il y a 24 élus à mettre en place. Est-ce que nous procédons, je pose la question, c'est mon devoir de le faire, à un vote nom par nom, les uns derrière les autres ? Ou est-ce que nous procédons à un vote ? J'ai une alternative à vous proposer, mais je le ferai en fonction de votre écoute. Cette alternative est la suivante. Je peux vous proposer un vote des 24 noms bloqués, en sachant que chacun des membres présentés représente sa commune. OK ? Est-ce que ça, quelqu'un s'oppose à ce principe ? Ce n'est pas qu'une question de temps, ce n'est pas qu'une question de personnellement... On a tous la responsabilité d'être élus et ça nous entraîne parfois très tard, mais mesurez ce que ça veut dire les 24 élections les unes derrière les autres. J'ai pris la précaution de réunir tout à l'heure les présidents de groupe, de chacun des groupes constituant la diversité de notre conseil territorial. Je n'ai pas entendu d'opposition à ce principe, mais je veux vérifier au sein de ce conseil, est-ce qu'il y a des oppositions au principe ? Oui. Alors, le vote, ce n'est pas un vote d'une liste. C'est un vote de 24 noms qui sont alignés les uns derrière les autres. Je vais vous lire la liste. Et ces 24 noms sont alignés en fonction, avec la capacité que vous avez de rayer ces noms individuellement. Ce n'est pas un bulletin de liste. Vous savez, quand vous votez une liste, vous rayez un nom et ça raye toute la liste. Là, ce n'est pas le cas. Ça s'appelle proposition pour les élections au bureau. Qui ne seront pas à mettre dans l'urne, c'est le bulletin, on va vous le distribuer pour que vous ayez l'information. Est-ce que j'ai été suffisamment clair ? Qui m'a dit oui ? Merci de ton soutien, Christine. Alors, pardon, je précise encore une fois, merci Antoine, on peut rayer et on peut mettre, si on le souhaite, un autre nom à la place. Le mieux, c'est de mettre un nom de la même commune, quand même. Je vous lis la liste qui vous est proposée. Cette liste a fait l'objet de beaucoup de discussions. Elle équilibre les villes de droite, les villes de gauche. C'est facile à faire. Il y a 12 villes de droite, 12 villes de gauche dans le territoire. Elle équilibre, non pas la parité comme je viens de l'évoquer, mais elle équilibre aussi. Elle constitue aussi une histoire qui s'est écrite. Il y a un certain nombre d'élus qui sont des anciens élus et qui ont participé de la vie de l'exécutif précédent. Elle constitue aussi l'outil qui va porter les responsabilités et les groupes de responsabilité demain, quand la mise en place sera terminée. Je vous lis les noms tels qu'ils sont proposés. Je me permets d'insister. Il n'y a pas de titre de vice-président ou de conseiller délégué. Tous les membres sont des membres de l'exécutif. Au même titre, les mêmes avantages, les mêmes indemnités, la même pratique qui est permise par notre territoire. Première vice-présidente, c'est une femme, Stéphanie Domain. Deuxième vice-président, Camille Villescaz. Troisième vice-président, Richard Delagnola. Quatrième vice-président,
Je peux donner les villes. Première vice-présidente, Stéphanie Domain, Chevilly-Larue. Deuxième vice-président, Camille Villescaz, Cachan. Troisième vice-président, Richard Delagnola, Thiers. Quatrième vice-président, Jean-Marc de Frémont, Savigny. Cinquième vice-président, Lamia Ben-Sarsa, pardon, madame, Reda, Juvisy. Sixième vice-présidente, Imen Benchek, Orly. Septième vice-président, Clément de Crouy, L'Île-et-Rose. Huitième vice-président, Romain Marchand, Ivry. Neuvième vice-président, Marie Chavanon, Fresnes. Dixième vice-président, Élise Gonzalez, Villeneuve-le-Roi. Onzième vice-président, Jean-Jacques Grousseau, Athis-Mons. Douzième vice-président, Jean-Marie Villain, Viry-Châtillon. Treizième vice-président, Sophie Labrousse, Arcueil. Quatorzième vice-président, Éric Grillon, Ablon. Quinzième vice-président, Jean-Luc Laurent, Kremlin-Bicêtre. Seizième vice-président, Bruno Marcillot, Rungis. Dix-septième vice-président, Nathalie Lallier, Paris-Vieille-Poste, pardon. Dix-huitième vice-président, Métine Yavouz, Valenton. Dix-neuvième vice-président, Jean-Marc Dufour, Morangis, pardon. 20e vice-président, Gilles Lafont, Villejuif. Conseiller délégué, Fatah Aghoun, Gentilly. Conseiller délégué, Philippe Godin, Villeneuve-Saint-Georges. Conseiller délégué, Alid Il El-Wali, Choisy-le-Roi. 4e conseiller délégué, Pierre Belloc, Vitry. Voilà la liste telle qu'elle vous est proposée. C'est donc un exécutif dans sa globalité. J'insiste sur un aspect, vous l'avez lu, vous l'avez entendu à la lecture, c'est qu'il y en a un certain nombre qui sont les maires, et un certain nombre d'endroits, les maires ont fait le choix de désigner quelqu'un pour les représenter à la vice-présidence. Je précise, comme organisme de décision et de travail, nous avons un outil, c'est la conférence des maires, qui est l'outil qui rassemble les maires, où passe l'ensemble des décisions de notre territoire en amont de tout le travail que nous enclenchons par ailleurs ou pour valider un processus de travail engagé. Alors j'ai vu une main qui s'est élevée. Marie Chavanon. Ah, et ben voilà. Tu peux redonner l'orthographe du nom, s'il te plaît. C'est très bien. Ça nous oblige à réimprimer le bulletin. Ah oui. Cécilia Valla, 10e vice-président. Okay. 9e, pardon, vice-président. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jean-Marie Villain.
Je te remercie. J'ai d'abord pris la précaution d'expliquer qu'on élisait les représentants des villes. Je me devais de vous donner cette précision, point à la ligne. Je donne l'information. Je vous rappelle, pour mémoire, c'est simplement un exercice de mémoire pour les anciens membres du Conseil territorial. Nous avions procédé il y a 4 ans à un vote par secteur, par 4 vice-présidents en même temps. Il y avait de nombreuses diversités dans les résultats des votes. Si je ne disais pas aujourd'hui, il y a une possibilité, ça voudrait dire que je gomme cet aspect-là qui existait d'exercice de la démocratie. Je ne veux pas être responsable de ça et je ne veux surtout pas qu'on me dise que c'est un scrutin de liste. On prendrait un risque à dire ça de fait. C'est bien un scrutin nom par nom, mais on vote les 24 en même temps. C'est la nuance que je souhaitais apporter. Je n'ai pas touché au micro. J'en ai pas la maîtrise. Simplement, j'ai bien entendu ce que tu as dit et je redis qu'il fallait que tu le dises. Je suis complètement d'accord avec ça. Je tenais moi à exprimer cette volonté que les villes puissent faire élire la personne qu'ils souhaitent représenter. C'est aussi la représentation des scrutins municipaux. Et je pense que c'est normal que chaque ville puisse élire la personne qu'il souhaite au sein de l'exécutif. Mais encore une fois, je suis complètement d'accord avec toi sur tous tes propos, qu'ils soient avant ou après mon intervention. Simplement, ça me semble délicat de laisser comme ça cette porte ouverte. Merci. Bien. Est-ce qu'il y a des remarques supplémentaires ? Bien. Alors, si vous en êtes d'accord, donc on va vous distribuer la feuille avec la liste et des noms. Ce n'est pas le bulletin de vote. Alors, c'est le bulletin. S'ils sont d'accord, on leur distribue ça, c'est le bulletin. Pardon. Le bulletin. Donc, s'ils sont d'accord. Si vous en êtes d'accord, vous voyez, c'est fait un peu chaud là-dedans. Si vous en êtes d'accord, ce sera la liste qu'on va rectifier avec Cécilia, sera le bulletin de vote. Donc, ce sera les bulletins. Donc, vous avez votre bulletin et je vous propose de faire la même gymnastique que tout à l'heure et c'est moi qui vais appeler les noms. Pour venir voter, elle est où l'heure ? Elle va arriver. Ah, quand même. On est obligé de le réimprimer là. Ça y est ? Donc là, il nous faut quelques minutes parce que comme ça, on réimpression. Vous avez 2 minutes pour souffler. Donc, en fait, c'est fait comme ça. Donc en fait. Attends. Donc en fait, c'est comme si c'était. Là, c'est le brouillon puisque j'ai changé de nom. Mmh. C'est comme si c'était 24 bulletins. Il faut bien que tu dises, en fait, c'est 24 bulletins. Et s'ils veulent, ben, ils rayent un coup. Et nous, quand on va faire le dépouillement, donc on va bien regarder les voix par personne. Tu peux d'ores et déjà appeler les deux qui étaient là tout à l'heure, le secrétaire de séance et la plus jeune dame. Est-ce que je peux récupérer auprès de moi le secrétaire de séance et madame Gonzalez et monsieur Sofiane ou Ali. Est-ce qu'ils sont présents ? Sofiane, je vais y arriver, pardon. Mais c'est notre première séance, donc on y arrivera. Hein. Non, mais je vais y arriver, Sofiane. Tu as remarqué, on est sans deux. Il y a des noms qui sont parfois. Il faudra bien que j'apprenne à les connaître les uns derrière les autres. Vous, c'est Élise, c'est sûr. Vous pouvez les distribuer. Quelle suite ? Les impressions. Ah, vous n'avez pas les 102 ? Non. D'accord, allez-y. Est-ce que ça choque quelqu'un si je pose ma veste derrière moi ?
C'est un souvenir. Ouais, c'est ça. Il y en a qui ont pensé que tu avais des fonctions religieuses, parce qu'ils ont séparé le LE. Tout à fait. Ou un patronyme d'origine bretonne. Parce que en Bretagne, le nom est souvent, avec le LE est souvent coupé. Je ne suis pas du tout breton, je ne rejette rien. Bien, est-ce que les premiers rangs, vous avez vos bulletins? Je vous propose donc, je vais commencer, c'est dans l'ordre alphabétique, c'est ça, hein? Bien, Madame Aboura Aman Rakia. Tu vérifies bien qu'il a voté avant de passer au deuxième, parce que sinon on va se mélanger les personnes. Comment? Tu vérifies bien que la personne a voté avant de passer au suivant pour ne pas qu'on se mélange. Oui. Monsieur Aflaté Alain. Allez, ça y est. Fatah Agoun. Anne Kimel Saloua. Azoug Anissa. Belloc Pierre. Benchek Imen. Benbekta Abdallah. Beneto Sébastien. Ben Mohamed Khaled. Pardon. Donc j'en suis à monsieur Benbekta Abdallah. Il est... Pardon, excuse-moi, Sébastien. Pas du tout, c'est... Non, non, c'est un rythme. Il fait chaud. Monsieur Benbekta, il est dans l'isoloir. Merci. Monsieur Beneto Sébastien. Madame Bensarsa Reda Lamia. Oui, oui. Ben Mohamed Khaled. Il a voté? Ah, il est dans les... Pardon. Oui, oui. Non. On va attendre monsieur Khaled Ben Mohamed. Tu ne le cites pas. Tu le cites pas, c'est pas la peine puisqu'il est représenté. On ne s'embête pas. Bon, monsieur, madame Bensarsa Reda Lamia, elle a voté, donc ça y est, monsieur, madame Bernet Lydia, pardon, monsieur, madame Boivin Régine, monsieur Bourdon Frédéric, monsieur Bouissou Philippe, et à pouvoir également pour madame Pierron. Ah, monsieur Boufan Kamel, pardon. C'est pour vérifier que vous soyez attentif. C'est Bourdon qui a voté. Bourdon, Bouissou, Philippe, c'est bon, il a un pouvoir. Oui, je ne suis pas sûr. Monsieur Briec Ludovic. Cathy Kabilic. Marie Chavanon. Gauthier Conan. Stéphanie Domain. Clément de Cruy, Jean-Marc de Frémont, Richard Delagnola. Oui, tout à fait. Delors Daniel, De Xavary Laurence, Dora Marise, Jean-Marc Dufour. Agnès Dupart. Dufour Jean-Marc, c'est bien ça? Dupart Agnès. Ebodé Odobo, Bernadette. Et la pouvoir pour madame Moronval. Pierre Garzon. Philippe Godin. Pouvoir pour Monsieur Gonzalez.
Ah. Vous voulez voter Non, vous allez, on va vous donner. Il manque un bulletin, là, s'il vous plaît. Il faut un deuxième bulletin. Oui, votez pour vous. Oui, bon, ok. Derrière vous. Mais vous pouvez passer dans l'isoloir si vous le souhaitez, monsieur Godin. On va y arriver. Après, derrière, j'ai madame Gaulier-Daniel. Allez-y, monsieur. Monsieur Godin, Philippe. Anne-Marie Gilger-Trigon. Élise Gonzalez. Vous avez vos bulletins, votre bulletin. Vous avez deux bulletins. D'accord. Éric Grillon. Jean-Jacques Grousseau. Didier Guillaume. Bruno Guillaudeau. Id El-Wali Ali. Jeannodet Christine. Rachida Kabouri. Kassimi Malika. Kennedy Jean-Claude. Kiran Warda. Qu'est-ce que j'ai dit ? Labrousse Sophie. Luc Ladire. Lafont Gilles. Nathalie Lallier. Jean-Luc Laurent. Jean-Luc Laurent. Claire Lefebvre. Fabienne Lefebvre. Après, c'est moi. Il faut un bulletin. Deux bulletins, parce que j'ai un pouvoir. Renaud Lérude. Leslang Pascal. Lerin Marchex. Ah, pardon. Oui, c'est ça. Un pouvoir pour M. Jean Brun. OK. Lerin Marchex, Virginie. Beuchet, vous avez pouvoir pour Monsieur Beuchet. Anne-Gaëlle Lédier. Odile Linec. Alain Lipietz. Isabelle Laurent. Romain Marchand. Bruno Marcillo. Ariel Mérina. Mokrani Mehdi. Morin Valérie. Moali Sofian. On votera. Tu veux. Sofiane. On le fera ensemble, mais tu verras, je vais m'en souvenir. Ostermeyer Schuma. Voilà. Je vais y arriver. Ostermeyer Schuma. Panetta Tonino. Tonino Panetta. Ne courez pas. La chute est au bout. Clément Péqueux. Yann Piroli. Alors j'ai d'abord Monsieur Clément Péqueux. C'est ça. Après Yann Piroli. Rabuel Stéphane. Patrice Sac. Laurence Auerbach. Sébailly Sabrina. Et le pouvoir pour Madame Bouglet. Pierre Ségura. Françoise Sour.
ça va venir, ça va venir. Sophie, où j'en suis. So Fatoumata. Laurent Taupin. Thiam Mustapha. Oscan pour Madame. Pour Madame, pouvoir pour Madame Oscan. Patricia Torjman. Cécilia Valla. Kevin Védier. Brigitte Vermillet. Kevin, allez-y, Kevin. Ensuite, Jean-Pierre Vic, Camille Villescaz, Jean, qui a un pouvoir pour Hélène de Commarmont, Jean-Marie Villain, qui a un pouvoir pour Monsieur Béranger, Yavuz Métine, qui a un pouvoir pour Madame Spano, Zinsi Roglou Lionel. Je crois que j'ai terminé. Il reste nous trois à voter. Exactement. Nous n'avons point de bulletin. Il nous en faut cinq, si je ne me trompe pas. Deux pour toi, deux pour. Toi, tu as un pouvoir. Je veux bien vérifier que je. C'est vrai. C'est Régine qui est là-bas qui les a. Régine, il manque des bulletins pour le scrutateur. Comme à l'église. Je crois qu'il en manque 5 parce que visiblement ils ont. Non, il en manque 2, c'est bon. 3. Après, on dépouille. Donc ça va être un petit peu plus long pour dépouiller, forcément. Ben oui. Donc là, il faut que tu les passes patienter. Bien. Nous allons procéder après la fermeture du scrutin au dépouillement. Je vous demande d'être patient parce que, bien évidemment, il nous reste un certain nombre de délibérations à prendre, à installer l'exécutif et un certain nombre de délibérations, certaines étant très importantes pour des communes. Je pense à Cachan, à L'Haÿ-les-Roses, mais aussi pour l'ensemble des conseillers territoriaux et de l'exécutif qui vient d'être mis en place. Donc, il faudra absolument procéder. Voilà. Mais soyons logiques, nous venons de gagner beaucoup de temps avec l'organisation de ce vote collectif. Il ne reste plus que Sofiane. Il ne reste plus que Sofiane, c'est bien. Vous cochez ? Vous cochez ? Je mélange bien parce que tout à l'heure, le premier bulletin, c'était bien. Limite là pendant le dépouillement parce qu'il sera un peu plus long que tout à l'heure, forcément tu peux dire que ceux qui n'ont pas pris la photo ils peuvent y aller à la limite. Ah ouais. Alors vous y allez. Dites-nous comment vous voulez qu'on fonctionne. Bien, il y a un certain nombre d'élus qui n'ont pas encore pris la photo nécessaire pour pouvoir élaborer notre catalogue des élus. Donc je vous propose de profiter de ce temps de dépouillement pour aller vous faire prendre le portrait. C'est toujours au pied de l'escalier sur votre droite. Allez-y, allez-y. Il se prépare, il se chauffe. Il se prépare mentalement. Il se chauffe. Vous me donnerez une feuille pour que je puisse obtenir une feuille de pointage.
colle. Comme on a dit, on mettait tout d'un côté. Et là, vous pouvez le faire dans la deux. Voilà. Des paquets. C'est l'essentiel, vous aurez des bulletins. C'est gros.
pas fini encore, pardon. Ah oui, d'accord, de fait, oui.
Un peu de sérieux. Bien, en attendant le résultat qui ne va pas tarder, vous avez dans vos dossiers une fiche de renseignement des conseillers territoriaux de l'EPT à remplir. Je vous invite à remplir cette feuille. Plus vite nous l'aurons en notre possession, plus vite ça nous évitera de faire des bêtises, notamment pour les communications, les courriers et tout ce travail. C'est bien une fiche qui est écrite, c'est écrit en haut, conseiller territorial. Cette feuille sera ramassée à la sortie de la salle, par les agents de l'EPT, en même temps que la feuille de vote. Thank you.
Bien. Je vais donc proclamer les résultats enregistrés par nos propositions pour l'exécutif du territoire. Il y a 101 votants. Stéphanie Domain a obtenu 100 voix. Richard Delagnola, 100 voix. Camille Vilcaz, 101 voix. Jean-Marc de Frémont, 101 voix. Lamia Ben Sarsareda, 101. Imen Benchek, 101. Clément de Cruy, 100 voix. Romain Marchand, 101. Cécilia Valla, 101. Élise Gonzalez, 101. Jean-Jacques Grousseau, 101. Jean-Marc Villain, 101. Sophie Labrousse, 101. Éric Grillon, 101. Jean-Luc Laurent, 99. Bruno Marcillot, 101 voix. Nathalie Lallier, 101. Métine Yavouz, 101. Jean-Marc Dufour, 101. Gilles Lafont, 101. Fatah Agoud, 101. Philippe Gaudin, 100 voix. Ali Aïd El Wali, 100 voix. Pierre Belloc, 91 voix. Ont obtenu Madame Boivin ou Monsieur, je m'excuse, j'ai pas le, une voix. Monsieur Belloc, 2 voix en tant que 15e vice-président. Monsieur Panetta, 1 voix en place de, dans, comme 3e conseiller territorial. Monsieur Laurent, 2 voix comme conseiller délégué territorial. Monsieur Kennedy, 3 voix comme conseiller délégué territorial. Et Monsieur Bourdon, 1 voix comme conseiller territorial. Donc l'exécutif est bien élu très très majoritairement. Et ce que je vais vous demander, c'est de les applaudir sincèrement. Et de, je vais les demander de me rejoindre à la tribune, s'il vous plaît. Enlever ça là. Enlever ça. Oui, enlever, c'est bon. À part les trois premiers, après, chacun fait comme il l'entend. Essayez de respecter les... Bien, prenez votre chevalet, s'il vous plaît. Enlève ton masque à ce moment-là. Oui, 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 mets-toi. Je voudrais ici Stéphanie, s'il te plaît, à ma gauche. Richard, je suis désolé, on respecte les valeurs. À ma droite. Bien, en attendant que tout le monde s'installe, je répète mon petit message de tout à l'heure. Vous avez une feuille de vote, vérifiez bien qu'elle soit rempli en fonction des votes qui appellent à un vote à main levée. Et vous avez votre fiche de conseiller territorial à remplir et à nous rendre à la fin de cette séance. Je vais maintenant, si vous le voulez bien, je vais maintenant faire lecture de la charte de l'élu global, de l'élu local, pardon. Premièrement, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Deuxième article, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Quatrième article, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Cinquième article, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6.
L'élu local participe avec assiduité, j'insiste sur le terme, aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Article 7, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Ça n'appelle pas un vote, ça appelle à être mis dans nos mémoires collectives, mais vous avez tous la capacité de le relire avec grand plaisir le soir. C'est dans votre dossier. Bien, nous passons maintenant donc, je reprends mes notes, je vais y arriver, à plusieurs problématiques, à plusieurs délibérations que nous allons voter, à main levée ou approuver ou à main levée ou pas. D'ailleurs, c'est le choix de chacun. Alors, je reprends mon organisation de travail. Voilà, c'est là. Bon, ça c'est fait, on n'en parle plus. Bien, nous avons donc maintenant, concernant la gouvernance, compte rendu des décisions du président dans le cadre des délégations d'attribution du Conseil territorial et délégations de plein droit au titre de l'ordonnance 2020-391, il s'agissait notamment des dispositions que nous avons prises dans le cadre de la crise du Covid. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des remarques ? Des abstentions, des votes contre. Je vous remercie. Question délégation de pouvoir du conseil territorial au bureau. Il s'agit d'approuver toutes les décisions qui ont été aussi dans cette période l'œuvre du bureau territorial. Et vous avez là le document dans vos mains, dans votre document. Est-ce que ça appelle des questions ou des commentaires ? Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre ? Je vous remercie. Question 8. Délégation de pouvoir du Conseil territorial au président, vice-président et conseiller délégué. C'est ça la même. Voilà. Vous avez aussi la délibération en main. Elle fait 5 pages. Je peux vous la lire si vous le souhaitez. Sinon, je vous informe, c'est les dispositions qui concernent les assurances, les contentieux, les contrats, les conventions, à laquelle il faut donner une suite, etc., etc. Vous avez tout dans la délibération. Est-ce qu'il y a des demandes de complément d'information ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Des votes contre ? Je vous remercie. Question 9. Il s'agit des indemnités de fonction des élus de l'EPT Grand Orly-Seine-Bièvre. Il faut que je retrouve ma délibération, je vais l'avoir, parce qu'il y a quand même un peu de lecture à vous faire. Ceux qui me connaissent savent que j'ai la capacité de m'étendre assez loin, mais j'ai une petite table, donc c'est pas toujours très, très simple. Bien, je vous fais lecture. Indemnité de fonction des élus de l'EPT Grand Orly-Seine-Bièvre, article L5211-12 du Code général des collectivités territoriales prévoit que la délibération qui fixe les indemnités des membres du Conseil territorial doit intervenir dans les 3 mois, suivant ce renouvellement. Les indemnités votées par le Conseil de territoire pour l'exercice effectif des fonctions de président d'un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 110% du montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Celles votées pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président d'un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 40% du montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Ces indemnités sont comprises dans l'enveloppe intermédiaire globale telle que définie à l'article L5211-12. Je vous rappelle que le statut hybride des EPT assimile ceux-ci à des syndicats de communes pour ce qui relève des indemnités, alors qu'il les assimile à des communautés urbaines pour les compétences. Aussi, pour les syndicats, l'enveloppe indemnitaire n'est pas augmentée pour permettre un versement à tous les conseillers. Nous en avions débattu en 2016 et notre délibération, comme celle des autres EPT à l'époque,
avait été déféré par le tribunal administratif, par le préfet. La solution réside bien évidemment dans une évolution de la loi NOTRe que nous avons évoquée à plusieurs voix dans cette soirée, qui permettrait à nos EPT de retrouver le statut classique de PCI à fiscalité propre. Aussi, afin que les membres de l'exécutif puissent percevoir dès notre installation et conformément à la loi une indemnité, la proposition est de reprendre le fonctionnement intérieur. Il sera toujours possible, si les discussions entre nous l'exigent, de modifier dans une délibération ultérieure ce régime. Il est ainsi proposé d'attribuer les indemnités de fonction des élus à l'identique du mandat précédent pour les présidents, les vice-présidents et les conseillers délégués. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Des votes contre ? Je vous... J'ai pas vu, pardon. Parlez, parce que dans ces cas-là, je ne l'ai pas vu. Elles sont cumulables partiellement avec, les, par exemple, celles des adjoints. Elles ne sont pas cumulables par, sous d'autres formes avec les indemnités du Conseil métropolitain. Il y a des traitements à géométrie variable. C'est la loi qui l'a décrit comme tel. Alors, je recommence parce que je ne veux pas faire de louper. Est-ce qu'il y a des abstentions ? J'en ai vu une, donc. Des votes contre ? Je vous remercie, mesdames et messieurs, sur cette délibération. Alors ensuite, j'ai les modalités de fonctionnement des moyens et groupes politiques et fixation des crédits alloués au recrutement des collaborateurs des groupes d'élus. Je vais y arriver. Celle-là, je l'ai aussi. Je m'excuse, la lecture est un peu longue, mais c'est que tout le monde partage les mêmes informations. L'installation du conseil territorial rend nécessaire de définir les modalités de fonctionnement et de moyens des groupes d'élus et de fixer les crédits alloués au recrutement des collaborateurs de groupe. Dans un souci de transparence de la vie politique, la loi du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique a introduit un dispositif visant à attribuer des moyens aux groupes politiques des assemblées locales. Premièrement, moyens matériels, équipements et fournitures alloués aux groupes politiques. Afin que les groupes d'élus puissent fonctionner, il est proposé, comme dans le mandat précédent, que chaque groupe dispose de l'accès à un espace partagé dédié aux élus pourvus en immobilier et en moyens informatiques et de télécommunications, d'un accès aux salles de réunion, de la prise en charge des frais de documentation, dont la reprographie, de courriers et de télécommunications. Les éventuels frais de fonctionnement et supplémentaires sont pris en charge dans le budget de fonctionnement alloué à chaque groupe. Moyens en personnel alloués aux groupes politiques. Les collaborateurs des groupes d'élus ont pour mission d'assister les élus afin de faciliter le fonctionnement de l'Assemblée délibérante. Chaque président de groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ses collaborateurs accomplissent auprès des groupes. Conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984, les collaborateurs de groupe d'élus seront recrutés sur contrat par le président de l'établissement public territorial sur proposition du président du groupe politique d'affectation. Les agents recrutés sur le fondement du Code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateurs de groupe d'élus sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite du terme du mandat électoral de l'Assemblée délibérante concernée. La qualité de collaborateur de groupe d'élus est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale et ne donne à aucun droit à la titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale. Les frais de formation et les frais de mission donneront lieu à un remboursement selon les modalités réglementaires en vigueur dans la limite des crédits accordés à chaque groupe après paiement des rémunérations et des charges sociales afférentes. Les premiers recrutements interviendront dès la date exécutoire de la présente délibération. Il est précisé que, conformément à la loi, les crédits nécessaires à ces dépenses ne pourront pas excéder 30% du montant total des indemnités versées chaque année aux membres de l'Assemblée délibérante. Il est donc proposé au Conseil territorial de fixer, par référence aux 30% de l'enveloppe des indemnités
versés chaque année aux membres du conseil territorial, les crédits reversés par l'établissement public territorial aux moyens de fonctionnement des groupes d'élus, de répartir ces crédits entre les groupes politiques au prorata du nombre d'élus de chacun. Ce qui, je veux juste faire un commentaire avant de passer aux questions, c'est bien évidemment en fonction des missions, en fonction des difficultés. Ce n'est pas pareil quand on est élu au fond du département et qu'il faut se déplacer, qu'il faut participer à des réunions de travail, à des réunions de commission. Aujourd'hui, c'est un scandale que nous n'ayons pas les moyens alloués dans le cadre de la loi. Je le dis et je le répète. Et ça fait partie des choses qu'il faut absolument obtenir des modifications dans le cadre de l'évolution de la loi NOTRe. Et sans attendre l'évolution totale de la loi NOTRe. Est-ce qu'il y a, à part ça, d'autres questionnements ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? J'ai pas vu. Je vous remercie. Surtout, n'oubliez pas d'utiliser votre feuille de vote. Petite piqûre de rappel. Question 11. Emploi de collaborateurs de cabinet. Fixation des crédits relatifs à leur recrutement. Au terme de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale peut pourformer son cabinet et recruter librement un ou plusieurs collaborateurs qui ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, laquelle décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. Les collaborateurs de cabinet ont des missions de conseil à l'élu, d'élaboration et de préparation des décisions et de liaison avec les services, les organes politiques et les interlocuteurs extérieurs et de la représentation de l'élu. Le décret numéro 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales vient préciser que l'effectif maximum des collaborateurs du cabinet du président d'un établissement public administratif est fixé à une personne pour un établissement public administratif dans les EPCI hors communauté d'agglomération, communauté urbaine et métropole, employant moins de 200 agents et de 2 personnes pour l'établissement employant plus de 200 agents. Ce décret énonce également les dispositions générales applicables pour les collaborateurs de cabinet ainsi que les modalités en matière de rémunération. Si le choix des Ainsi, l'article 3 précise qu'aucun recrutement de collaborateurs de cabinet ne peut intervenir en l'absence de crédits disponibles au chapitre budgétaire et à l'article correspondant. Si le choix des collaborateurs n'appartient qu'à l'autorité territoriale sans consultation préalable de l'Assemblée délibérante, l'inscription du montant des crédits affectés à de tels recrutements doit être soumise à la décision de l'organe délibérant. Au regard du nombre d'agents, le cabinet du président de l'établissement public territorial Grand Orly-Seine-Bièvre peut être composé de 2 collaborateurs. Ainsi, dans un souci de transparence lié à la mise en place du nouvel exécutif et à la nouvelle mandature 2020-2026, il est donc proposé au Conseil territorial d'autoriser le président à former son cabinet et à recruter 2 collaborateurs de cabinet et de fixer leur rémunération dans les conditions précisées aux articles 7 et 9 du décret 87-1004 du 16 décembre 1987. Est-ce que vous avez des questions ? Des précisions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Des votes contre ? Je vous donne une petite information au passage. Je renouvelle ma confiance au directeur de cabinet et au chef de cabinet qui m'accompagnent dans les missions actuelles. Alors, ils sont, Jacques Guivarch et Mathilde. Elle est où, Mathilde ? Mathilde qui est derrière, donc qui est ma chef de cabinet. 12e délibération, création et composition de la commission locale d'évaluation des charges territoriales, CLECT. Les EPT sont financés par leur commune par l'intermédiaire d'un fonds de compensation des charges territoriales, le fameux FCCT. Je dis le fameux parce que vous verrez que les uns et les autres, on va tous l'utiliser. Je ne sais pas si c'est toujours à bon escient, mais en tout cas de manière très très conséquente. Je ne reviendrai pas maintenant sur les modalités de calcul du FCCT. Bercy, vous savez où c'est, a inventé une machinerie infernale incompréhensible pour les citoyens et voire même pour les élus eux-mêmes. Nous savons tous que ça ne marche pas et qu'il faut réformer la loi. Vous l'avez tous entendu plusieurs fois ce soir. Le principe est identique à celui du financement des syndicats que vous connaissez par ailleurs. Pour autant, nous devons mettre en place une commission locale d'évaluation des charges territoriales, la CLECT. Chaque année, le FCCT peut évoluer selon les propositions de la CLECT pour tenir compte de l'évolution des charges assumées par l'EPT.
La CLECT est obligatoirement composée de conseillers municipaux des communes membres de l'établissement public territorial. Comme dans la mandature précédente, afin d'assurer la représentation de toutes les communes, nous proposons que chaque commune soit représentée par un membre titulaire et un membre suppléant. Notre délibération d'aujourd'hui vise donc uniquement à approuver la composition de principe de la CLECT avec 24 titulaires et 24 suppléants. Il appartiendra à chacun de vos conseils municipaux d'indiquer le nom du membre titulaire et le nom du membre suppléant représentant vos communes. Est-ce qu'il y a des questions ? Des précisions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Des votes contre ? Je vous remercie. Il nous reste deux délibérations qui sont de même nature. Une concernant l'Aille-les-Roses et l'autre concernant Cachan. Il s'agit d'une création d'une commission chargée d'émettre un avis dans le cadre de l'attribution d'une concession pour l'aménagement du projet site Gare des Trois Communes de la ZAC Multisite L'Allier Gare des Trois Communes et désignation de la personne habilitée à conduire les négociations et à signer la convention pour l'Aille-les-Roses. Et pour Cachan, c'est la création de la même commission, mais dans le cadre de l'attribution d'une concession pour l'aménagement du projet Campus Cachan et désignation de la personne habilitée à conduire les négociations et signer la convention. Afin de ne pas retarder ces deux opérations, parce que nous mettrons en place une commission différente à la rentrée, les maires de Cachan et l'AI ont donc demandé que deux commissions spécifiques soient créées dès maintenant, considérant qu'il s'agit d'opérations déjà en cours, ce qui est tout à fait exact. Hélène de Commermont, maire de Cachan, et Vincent Jeanbrun m'ont transmis leurs propositions qui, je le rappelle, doivent être respectueuses de la représentation de notre conseil. Les propositions sont les suivantes. Je vais avoir les noms, merci. Concernant l'Aille-les-Roses, titulaires Vincent Jeanbrun, Clément Decruy, Françoise Source, Stéphanie Domain et Sofiane, j'ai bien dit là ? Les suppléants sont Pascal Lesselingue, Métine Yavouz, Sébastien Beneteau, ça ne s'écrit pas du tout comme ça, mais ce n'est pas grave, il ne le voit pas, Michel Leprêtre et Philippe Bouissou. Concernant la même chose sur Campus Cachan, les titulaires, c'est Hélène de Commarmont, Camille Villescaz, Romain Marchand, Jean-Marie Villain, Pierre Segura. Les suppléants, Maël Bouglet, Stéphane Rabuel, Fatah Agoun, Laurence Auerbach, Virginie Marchex. Est-ce que vous avez des questions ? Stéphanie Domain. Je propose de remplacer mon nom par celui de Laurent Taupin. Laurent Taupin à la place de Stéphanie Domain. Donc c'est pour l'Aille-les-Roses, c'est ça ? Oui. Laurent, c'est ça ? Ok. Laurent Taupin, T-A-U-P-I-N. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, avec la rectification que vient d'apporter Stéphanie, je vous propose de voter pour abstention sur la commission aménagement de l'Aille-les-Roses. Des votes contre ? Je vous remercie. Sur la commission Campus Cachan, donc des abstentions ? Des votes contre ? Je vous remercie. Alors, bientôt nous allons pouvoir clore la séance. Vous me laissez une petite seconde. Une poignée de secondes, le temps que je retrouve un papier qui est aussi très important. Voilà. D'abord, je veux saluer, je ne l'ai pas fait et je le regrette tout à l'heure, je veux saluer Jean-Marie Villain qui était candidat à la présidence mais qui n'a pas été élu, puisque je l'ai été, mais je veux saluer sa loyauté et le travail que nous portons ensemble, bien souvent, bien au-delà de nos différences politiques. Mais je veux surtout ce soir, à l'issue de ce conseil, qui est très complexe, qui a été complexe à organiser en raison des problématiques sanitaires, je veux associer ce soir à mes remerciements personnels et je vous souhaite que vous associez vous-même, l'ensemble des présents, vos remerciements. Je veux saluer Régine Doisselet, qui est la chef d'orchestre du travail que nous avons vécu ce soir. Gaël Angelo Santo, Sandra Alves, Vanessa Ruiz, Stéphanie Arcari, Cécile Camus,
Et je veux aussi saluer, mais c'est pas pareil parce qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas couru partout, c'est la direction, l'ensemble de la direction générale, des directrices et directeurs, Samir Abdelatif, qui est secrétaire général de notre territoire, Véronique Gérard, Isabelle Leperc, Béatrice Le Tual, qui sont directrices générales adjointes, Bruno Partex, Laurent Bacard et Grégory Bogaki, qui sont directeurs généraux adjoints. Mes chers collègues, je vous remercie de votre participation. Je l'ai pas écrit tout simplement parce qu'en plus de le remercier pour sa participation ce soir et l'ensemble du travail qu'il a mené, qu'il a animé, c'est pas toujours très simple. Je vous rappelle quand même qu'on vient de vivre quelques semaines de confinement. Mais je voulais surtout le dire à part dans le sens où je veux aussi annoncer officiellement que je poursuis ma confiance avec Antoine Valbon, directeur général de l'EPT, et avec qui je travaille depuis maintenant 4 ans, et qui avait été aussi un peu mon formateur lors de la création de la communauté de l'agglomération Seine-Amont. Merci donc à Antoine. Je vous propose, je crois qu'on a la capacité de lever le verre de l'amitié, c'est ça ? Ah, redonne les noms parce que voilà, tu les donnes. Franck Noémie et Wissem à la communication. Voilà, je savais bien que j'en oublierais. Bien, donc nous avons le verre de l'amitié, je vous y invite tous. Merci de votre patience, de vos efforts, d'avoir accepté les conditions qui ne sont pas toujours très idéales. Et je vous donne rendez-vous au Conseil territorial prochain qui sera vraisemblablement au mois de septembre. Quelqu'un depuis 8 à la nuit.